L'éclair opération Tornade 1, chef police là, t'es lancé, a pas suffi pour décourager bandits, a examiné, continue à terroriser population dans divers coins, en dans pays, dans zone métropolitaine. Port-au-Prince, dans un kidnapping, enregistré presque chaque jour face à situation, ça, et c'est ça qui est le mouvement point final. Mandé police nationale là pour travailler dans tête collée avec force là, mais à une façon pour bailler, puis bon résultat. Reportage, Jean-Georges Blaise. Jusqu'à présent, la police pour qu'on lever des filles. Et malgré opération force l'audio, a tout fait examio semblé gain plus gain pied à terre. Dans le PNH là, qui au même tout, pas épanier en bas mais zak malfecteyo, qui continue à couper raché, principalement dans zone métropolitaine, non surtout avec ka kidnapping yo, kap multiplié. Non seulement dans capitale là, mais tout, ville provinciaux, en particulier, département la Tibonite là, qui était en bas contrôle gang yo. Yon situation qui t'a dépassé la police, d'après équipe mouvement point final là qu'a expliqué Ulysse Jean Chenet. Et parce que forme de stratégie que les bandits ont développé, ce n'est pas un bagage de simple banditisme, non. Ils ont gagné gros armes de guerre dans les mains. Ils ont gagné des stratégies qu'ils ont développées. Par exemple, pour arriver à contenir la région métropolitaine de Port-au-Prince, ou par quelle stratégie qu'ils ont fait, ils ont ceinturé toute région métropolitaine de Port-au-Prince et puis ils ont enclavé la population et puis ils ont même opéré en toute quiétude. Et bien, c'est-à-dire, question ça, les dépasser niveau en simple question de banditisme, nous sommes en face d'une guérilla urbaine dans le pays. Faut nous... Et malgré position équipe mouvant point final là, Dr. Ulysse Jean Chenet Kwe, phénomène d'insécurité a gagné une couleur politique. Côté en rien pas clair jusqu'à présent dans le contexte actuel là. Là encore, militants et structures ça, pas caché position, il y en fera encore. Question insécurité à l'politique d'abord, parce que à nous garder comportement les autorités actuelles du pays. Si insécurité a été nuit, si insécurité a été fait yo peur, yo tap agi à travers le monde, debout ouais l'État, pouvoir central, pas agir contre un problème, contre un fait quelconque, qu'on est l'inavantage et gouvernement. Et c'est ça que fait, nous dit, que sur l'insécurité, il y a un problème politique d'abord, et il y a un problème économique tout, parce qu'il y a un pile monde qui a profité de l'insécurité pour blanchir et un pile gros l'argent sale dans le pays. Et que la population est capable finalement râler en souffle face avec situation ça, qui déjà créé un climat la Pérez dans la rue, est-ce que tout gain volonté réelle pour résoudre gros tête chargée population? En tout cas, même compatriotes sa yo qui pa kwè nan opération Tornade la police lan, plus que te misé nan renforcement capacité PNH lan comme pi bon formule pour résoudre sa capacité là. Ulysse Jachenet. Ma kwè nan et opération Tornade là parce que nous-mêmes nous tient à ce que c'est renforcé pour renforcer capacité et PNH là, faire en sorte que gon symbiose qui fait entre la police nationale et force armée d'Haïti et puis bayon en pile matériel, bayon moyen logistique, bayon accompagnement technique. Nous capable faire des experts internationaux, bien des experts étrangers en matière de lutte contre le banditisme et contre le kidnapping, rentrer en des pays hein, pour qu'ils viennent travailler avec la police nationale d'Haïti, pour qu'ils viennent travailler avec force armée d'Haïti, pour être capable de river et combattre la question gang à kidnapping en des pays. Hein. En tout cas, car l'enlèvement au cap multiplié, rete malgré tout. Puis, go tête chargée population, des personnes pas épanier en bas même, bandits kidnappés, pas opérer à l'aise dans la rue. Et n'a pas rappelé, si directeur général CNEA, Kenton Louis, jeune libération, journaliste Vision 2000, Jean-Tony Lorté, a couru sous deuxième semaine depuis a tout fait examen, t'es fait d'appuyer sous lit dans zone la boule. Jean-Jean Blaise, Caraïbe FM.